tricot avec l'étagère. Coucou les copines et les copains. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je joue Lucas. Tu vas jouer Lucas? Ouais, okay, bah. Je te laisse... D'accord, moi je joue Dragon Feu, je pense. Dragon Feu? Oui, Dragon Feu, j'aime bien Dragon Feu. C'est un Pokémon que j'aime vraiment bien. Genre petit à petit, ça prend à l'apprécier. Il faut lancer tout, là. Ah oui, mais c'est vrai, je suis Lucas. Heureusement qu'il a du courage, le dresseur Pokémon. C'est vrai? Parce que Lucas, il en a pas. Mais j'aime bien le dresseur Pokémon parce que genre, tu le vois avancer en fou. Alors, non, je ne peux pas mourir dans l'eau, je suis carapuce. Et alors, pas le droit de mourir, hein. Et on fonce, on fonce. Oui, on dit qu'on s'en bat les couilles. Hein. Ah bah lui, il avance. Aïe! Aïe! Ah oui! Aïe! Allez, viens. Viens, Naruto. Ah! T'es pas Naruto, tu sur un coup. Mais pourquoi t'es pas Naruto? Change de Pokémon, là-haut. Prends ton dragon feu. Ouais, alors si je me souviens de comment on joue. C'est que Carapuce. Ok. Je peux pas faire bébé. La cinématique. Je ne sais pas, j'imagine, oui. D'une certaine manière. Tout le monde a le droit de mourir. C'est vrai. Pique free. Ah oui, tu faisais ice cream à côté. Ice cream. Ouais. Ouais, Lucas avec un fusil. C'est ce que le monde voulait. Il est comme Shadow, ça. Il a quand même un colt au cas où tout tourne mal. Allez, on défonce tout le monde. Carapuce. Les ennemis qui se régénèrent, ça te plaît. Il est mort. Cours vite, Carapuce. Ouais, c'est un Carapuce. T'as des bonnes stats vitesse. Oui, il a 252 EV vitesse et 31 IV partout. Sacré lui. Oh, on est sur Onze là. Oui, là on est sur Onze. Mais c'est des électrodes. C'est des électrodes de la... C'est des électrodes du pauvre. Des électrodes de l'enfer. Il se dédouble. Ah, ça va être chiant ça. C'est très énervant. C'est tué, je suppose. Très énervant. Je suis très énervant. Diantre, vous êtes casse-pieds. C'est bon, ils sont morts. On va là, on s'en fout là. On s'en fout, on avance. On a dit on s'en fout. Oui, mais c'est bien, on avance par là. Piquez fire. Piquez feu. Les raturés, c'était ma hantise, ils étaient beaucoup trop énervants à battre. J'aurais aimé un mode comme ça dans Smash. Moi aussi. Oui, mais moi aussi, dans un sens. J'aurais préféré ça au mode combat. Bah, faut savoir, t'es pas très cohérent dans ce que tu dis. De quoi? Tu viens de me dire, oh tu sais, moi je m'en fous, c'est le premier épisode, tu m'as dit, moi je m'en fous, je joue pas comme ça avec oui. les copains. Alors moi je m'en fous globalement du mode histoire dans Smash, parce qu'un mode histoire dans un jeu de combat... Tu sais, c'est comme le mode Tekken Force dans Tekken, j'aime bien quand il est là, mais je m'en passe. Moi je me dis, j'aime bien faire le mode histoire de Smash. C'est un mode arcade. Oui, bah c'est cool. Moi j'attends des modes histoire, moi je veux du scénario, je veux que les gens fassent des théories après oui. sur les modes scénario. Oui, ça c'est vraiment important, les théories. Les théories c'est très très important. Très important. Et, tout le monde trouve que c'est très important. Qui partagent comme ça, tous les gens qui partagent dans le respect leur avis sur le jeu. Exactement. C'est quelque chose d'extrêmement important, je pense que... Et je pense que même Sakura il prend en compte les théories des fans, même les plus farfelus. Toujours. Il est comme ça, c'est un bon gars. C'est un cool guy. Putain. J'aime vraiment beaucoup la suite de Carapuce. Ah bon, il fait quoi? Quand il tourne, genre... Oui. Ah oui. Il tourne sur les... Oui. Bonjour, hey, je dresse des Pokémon, et toi, tu fais quoi dans la vie? Ça fiche un coup de vieux de se dire que le jeu Pokémon contemporain de Brawl, c'était Diamant et Perle. Ouais, tout à fait. C'était Diamant et Perle. Attends, je me sens tout seul, et puis mes parents ils sont morts, et puis j'ai perdu mon meilleur copain. Carapuce. Oui, alors le dresseur se téléporte, du coup il pourrait tout régler comme ça très rapidement, mais non. Sauvegarde. Ouais, il faut. Et on a fait 14%. 14% du jeu, ouais. Revenir à la carte. Ce mode est quand même long. Hein. Ouais, bah je vois ça. Ça, je pense que ça nous prendra quelque chose comme 5 heures. Peut-
truc comme ça. Que peut-être, peut-être pas. Lucas en dépression, pauvre petit. Ah, Rob, c'était un collabo. Ah, mais jouez à Mover 3 et je vous assure que plus que jamais, vous vous direz pauvre petit en voyant Lucas. Ah, ça c'est, il pense à la Wii U. Il pense à la Wii U. Ah, ok. Sacré Rob. Sacrifié pour, dans les ténèbres. Ils font des attentats à la bombe partout. Pendant ce temps-là, dans le château numéro 37, avec le personnage d'animé numéro 34... Mais non, c'est Mars. Oh ! Une explosion nucléaire ! Je déteste le nucléaire. Vous l'avez déjà dit ? Le dresseur Pokémon, il a trop l'esprit RP pour se TP et tout régler comme ça. Parce que c'était, après tout, c'était trop compliqué de créer un boîtier télécommandé pour activer la bombe à distance. Non, il fallait utiliser des robes. Oui, parce que c'est... C'est pas simplement qu'il faut utiliser des robes, c'est qu'ils adorent sacrifier des robes. C'est un plaisir de sacrifier des robes. Alors moi, je suis rouge. Rob, c'est le Mister Mystix de... de Smash. Ah mais oui, mais je m'en souviens, ça, dans Fire Emblem, le fameux marteau. Le fameux marteau de Fire Emblem. J'ai beaucoup joué à Fire Emblem, c'est vrai, mais j'avais pas suivi. T'as joué à quel Fire Emblem ? Awakening et Héritage. Ok. Ah ! T'es où ? Moi j'ai pas le temps, hein, je dash la vie. Allez, viens ! Au lieu de lambiner. T'es mignon, toi, un coup tu lambines, un coup tu lambines. C'est une clé, c'est ça ? Oui, non, mais elle est en haut, la clé, il faut la tirer sur la porte. C'est comme ça qu'on ouvre les... Allez hop, c'est comme ça que j'ouvre chez moi, moi. Je suis perdu avec la caméra. C'est vrai ? Bah, un coup je suis là, un coup je suis pas là. C'est pas très cool de jouer à deux comme ça, hein. Non, c'est pas très simple. Tu sens que le jeu, il est pas excessivement prévu pour ça. Pourquoi t'as pas pris le deuxième ? C'est pas important, c'est un trou. Oui, bah alors, si tu rentres dans une salle pas importante, fais les choses jusqu'au bout. Bon, bah, ça doit être en bas, du coup, la suite du niveau. Visiblement. Visiblement. Attention, on va se faire pourrir le cul. Aïe. Oh. Ah. Ah. Super Ron, elle se serait for 2 months. Eh ben bravo. Bah, merci Super Ron. Super Ron. Tu es très doux. Tu es tout rond. Grâce à toi, on se paiera des kebabs. Exactement. Moult kebabs. Moult. Un milliard de kebabs. 1000 kebabs. Ah c'est bon, on est enfin sorti du château. Et on devrait pas penser à dire à nos architectes que ouais, les châteaux simples, hein. Simple, le château une ligne droite. Avec des portes, s'il vous plaît. Évidemment, ce serait trop beau. Ah bah si. Je sais pas si c'était prévu pour ça. La petite pointe de l'épée qui va loin. C'est toi la petite pointe. C'est comme ça qu'on t'appelle dans le milieu. Ok. Roy ! J'ai mouru. Attends, y'a pas Roy dans ce jeu, je crois. Non, y'a pas Roy. Roy n'est pas là ! T'es là, hein, t'es là ? Oui, bah oui, j'ai fini. Tu me laisses maintenant. On avance. On avance. Des kebabs. Des turbo-kebabs. Ah, de 1000 kebabs. Ah, de plus près, c'est encore plus gros. Ça où on dépense tout dans un cash converter, c'est dans des œufs à 2€. Ah ! Mais c'est chevalier méta. C'est méta chevalier. Non, chevalier méta. Chevalier méta ? Bah oui, il faut inverser les règles en anglais. Roy a été remplacé par Ike. C'est pas du remplacement, c'est deux personnages extrêmement différents. Roi ! Il y a des gens qui nous regardent en 160. Waouh ! Waouh ! C'est cool, vous avez, au moins vous avez l'occasion de pouvoir modifier la qualité. Le thème de Meta Knight. Tu joues le personnage pété. Ouais, moi c'est le personnage pété. Oh, mais moi je voulais le personnage pété. Moi je voulais faire des... Aïe 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 aïe. Décalégatam. Décalégatam. C'est vrai que ça tape tellement vite et tellement dur, putain. Ça tape vite. Je me souviens que quand j'ai découvert Meta Knight, je me suis dit ouais, il y a un souci avec le personnage, non ? C'est vrai. Même quand tu joues en casu, genre tu t'en aperçois. Moi du coup je me souviens, j'avais un pote qui prenait tout le temps, c'était pénible. Et je comprenais pas pourquoi. Parce qu'il était fort. C'était chiant. On passait de très mauvais moments à jouer avec ce pote. Ah bah, il prenait tout le temps Meta Knight. C'est pas cool.
tu passes forcément des mauvais moments quand t'affrontes à Meta Knight. Tu sais, c'est le mec dans les jeux de Capcom, dans les jeux SNK, il prend que le boss secret. Le jeu il prend pas, le jeu il est équilibré. C'est vous qui êtes que des rageux parce que je suis bon. Ah bah j'ai décédé. Un coup d'un DLC. Je suis là. Ah mais et c'est parce que je suis bleu moi maintenant, je comprends plus rien. Ça y est, c'est de la faute de la couleur, c'est de la faute de l'écran. Oui. Mais à qui la faute sinon? À qui la faute? Putain, ils sont pénibles là, oh! Viens, en train de me casquer. Vas-y, je t'en prie. Bah voilà! Eh, la victoire! Et ils sont mous du cul. Come on, make up every moment.